Bonjour Métulissa, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog. On est lundi 7 février. Je vous explique un petit peu. Je vous avais pris samedi. Vous avez repris samedi. Sauf que je viens de regarder pour mettre les rushs, enfin la vidéo sur le PC. Et la vidéo est vraiment très 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 mauvaise qualité. On me voit à peine sur la vidéo. Je vous avais pris très tard le soir et c'était juste la petite lumière que je lis. Et vous avez le flou dedans. On me voit à peine. Du coup, tant pis, vous allez perdre cette rush. Mais je vais quand même vous parler de ce rush que je vous ai effacé. Je vais quand même vous dire ce qui s'était passé du coup. Voilà, du coup samedi, j'ai bouquiné. J'avais dit que je voulais terminer colloque avec un inconnu et avancer dans le sang et la cendre de Jennifer Allamand Trout. Je suis à la page 118, les poussières 118. Je n'ai pas avancé, je serai au chapitre 12 aujourd'hui. Et ça m'embête de beaucoup être en retard. Je suis au chapitre 5. Voilà. Du coup, je vais essayer d'avancer ça un petit peu. Et si après, je vais manger. Enfin, je vais manger, mettre ma machine à laver et essayer de me replonger un petit peu dedans. Voilà. Du coup, je vais vous parler de l'autre lecture qui m'a tenue le samedi, qui est Colloque avec un inconnu de Lily Malone chez Addictif. Je l'ai terminé, je n'ai pas encore rentré dans. Si je l'ai rentré, il a eu un. C'est 9 ou 10 sur BookNote. Voilà, c'était une bonne lecture. Je le recommande. Ne vous fiez pas à la couverture pour moi. Il y a un peu de sexe, mais pas quand même comme certains livres. Il y a beaucoup de. Comment dire, de petits soucis en fait. On va suivre Elodie et Luc et la bande de copains. Les copines de Elodie et les copains de Luc. Du coup, je vais vous parler d'abord de l'intrigue. J'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, je vais revenir. Du coup, Elodie a réservé un chalet à la montagne pour passer le Noël et Nouvel An. Avec ses copines parce que voulait pas passer Noël avec ses parents parce que ses parents sont toujours sur son dos comme elle n'a toujours pas de copains. Voilà. Du coup, elle a voulu faire passer avec ses copines. Luc, c'est la même chose. Il a voulu aller, enfin pas la même chose. Lui, il a voulu s'évader et il aime pas Noël. C'est un livre que vous pouvez lire à Noël, ce moment de Noël, Nouvel An, entre les deux. Voilà. Il n'aime pas du tout Noël et du coup il est parti aussi à la montagne avec ses copains. Sauf que tout va pas se passer comme ils avaient prévu. Elle avait réservé un chalet, lui aussi, sauf qu'ils vont se retrouver dans le même chalet. Voilà. Et tout va se passer et j'ai adoré. Elodie, c'est quelqu'un qui a comment dire, est maladroite. Et lui, c'était un peu le sauveur de ces dames. Voilà. Du coup, il va se passer un truc avec eux deux. En fait, ils se détestent au début du roman. Parce que elle, quand elle est arrivée au chalet, si vous voulez, elle arrivait toute seule. Ses copines, elles étaient bloquées. La route était bloquée avec la neige. Et du coup, elle a voulu en profiter. Elle a voulu prendre un bain tranquillement avec son livre de romance. Voilà. Et. Excusez-moi, un moment elle a entendu du bruit qui est apparu, enfin un bruit. Du coup, elle est remontée et elle va se retrouver en face de Luc. Voilà, et au début elle s'est dit c'est pas mes copines, c'est pas possible. Comme ils sont coincés, ils ont dit qu'ils n'arriveraient pas avant le lendemain. Oh, excusez-moi, j'ai un coup de fatigue hein. Et du coup, il va se passer plein de choses. Ils vont se détester. Il va avoir des problèmes. Elodie va avoir des soucis. On va dire un peu de santé, pour pas vous spoiler quand même. Voilà. Voilà. Il va la sauver.
encore une fois, il y a de l'humour, il y a de la rigolade, il y a de l'ennemi. Ils sont ennemis au début, voilà. Ils se détestent. Et j'avais pas lu la quatrième de couverture. Juste, je regarde les noms là, parce que là il y a marqué Elodie et plus bas il est marqué Luc. Et c'est juste de ma canse de, no, de neige qui marque. C'est électrique entre eux. Ouais. Programme de vacances. Ouais. Et ils vont prévoir plein de choses, sauf que Elodie, c'est quelqu'un, une jeune femme indépendante qui a eu des problèmes en amour. Mais je vous en dis pas plus parce que je vais vous spoiler. Mais j'ai apprécié cette lecture. La couverture est mensongère, on va dire ça. Mais franchement, c'est. Je l'ai lu assez vite quand même. Je l'ai lu en une semaine, je pense. Voilà. J'avais pas envie de le lâcher, sauf que j'étais obligée des fois. Mais j'ai adoré. J'adorais, adoré, adoré. Voilà. Par contre, là, je n'arrive pas à avancer. Ça m'ennuie un petit peu. C'est juste parce que c'est gros et que j'ai d'autres lectures en même temps. Voilà. C'est en LC. Cette semaine, j'aimerais bien avancer beaucoup dans celui-là. Et comme on est lundi, on commence une autre LC avec ma copine Mariette. Dans notre défi, on commence Histoire éternelle. De chez Disney, c'est les Twisted de Lisa Brauch. Ouais, je sais pas, chez Hachette et Ross. Voilà, et si la mère de Belle avait maudit la bête? Voilà, j'ai lu 14 pages. Voilà, et il faut que j'arrive à la page. Vous voyez, j'ai mis des post-it. Le premier post-it à la page 50. Voilà pour aujourd'hui, j'en ai mis 14, je vais m'y remettre aussi. Du coup, c'est mes deux lectures de cette semaine. Enfin, celle-là, ça va être le mois, mais celle-là, c'est la semaine. Voilà, c'est les deux que je dois absolument avancer. Voilà. Après, j'avais d'autres choses à vous montrer. Samedi, j'ai été à Mesdac. J'avais été chercher de la baguette. Parce que samedi, on a mangé que de la baguette. Voilà. On a fait que ça. Mais ça, je crois que je vous l'ai montré. Je suis pas sûre. Enfin, soit avant, j'avais. C'est quand j'étais? De la semaine avec mon papa. Mais je crois que je vous l'ai montré dans le blog précédent. Je vais juste vous montrer. Je sais pas si vous avez parlé d'Atride. Mais il me donnait très envie. Et pour 3 euros, voilà. Je me suis dit. Voilà, il en vaut 7,60. Je me dis 3 euros, ça vaut le coup. Je me suis pris chez Estra. Je savais pas qu'il me vendait des livres. Voilà. Maintenant je peux. Hop. Je l'ai même rentré dans mon truc. Estra. Et voilà. J'avais trop envie de me plonger dedans. Ça fait déjà un moment que je l'avais repéré. Mais voilà, j'avais attendu. Et je crois que c'est en 2 tomes. Mais je suis pas très sûre de ça. Mais voilà. Du coup, je disais, samedi j'étais à Mesdag, j'étais chercher de la baguette et un petit peu de charcuterie. Et j'ai regardé, ils avaient un truc en carton qui liquidait des livres. Et du coup, j'ai regardé et j'ai tombé sur celui-ci. Enfin, j'en ai deux, je vous montre après. J'ai tombé sur celui-ci qui était emballé. Sauf qu'au début, je ne savais pas si c'était le tome 2 ou pas. Du coup, voilà, j'ai lu un peu. Un peu derrière pour voir parce que rien n'était marqué là, non pas de marqué tome 2 non plus, du coup non c'était le tome, enfin soit, et du coup je me dis pourquoi pas 5 euros, il vaut 17 euros, ça me fait 10 12 euros d'économie, voilà, ça vaut la peine. Du coup je vous lis un petit peu la quatrième de couverture. Le jour où une blessure m'annonce se brise ma carrière et de mes précipités à la fin de la saison, l'équipe fait appel au célèbre kinésithérapeute le doc Dalton, d'accord, pour le servir et se rééducation. Or, ce n'est pas le doc qui accueille pour sa première séance.
Mais la jeune fille Scott, elle a beau être baraquée. Là, par contre, Harikit, je ne sais pas, déterminée et super attachante, et demande si elle a vraiment les qualifications requises pour lui venir en aide. Décidée à remonter qu'une femme est capable de assurer la reprise que représente la préparation physique d'un club de MLB, Ligue majeure du basketball. Scott Donald sait qu'il lui faut en renvoyer le pénalement sur le terrain, mais le remettre en forme implique qu'elle pose au sein éthique brale les mains sur lui. Et même avec un homme aussi irisable que Euraltron, je sais pas comment ça se dit, son nom, a pris en main une en même peut m'envahir de sourire l'ennemi. Plus elle le touche, plus elle a envie de lui. Tout ce que son job lui interdit. Veille est interdite du club. Ne contient-il pas la gratitude que on recevoir Jetta soit en état de jouer? Voilà. En fait, ça va être une jeune femme qui va le masser et le remettre sur play. Ouais. Et puis je me dis 5 euros et sur blister, c'est vraiment le top quoi. Et après j'ai fouillé et celui-là il me fait un petit peu. Voilà, c'est le tome 2. Je vous ai même pas dit là, c'est chez Hugo aussi dans la collection au roman. C'est même pas le nom de la quête qui. Bon, c'est Brunet. C'est le même, c'est le tome 1 et le tome 2. Voilà, sauf que celui-là il était à 5 euros. Vous allez peut-être pas voir. Non, vous allez pas voir. Il y a des petites taches dessus. Là, il y a une tache, mais vous allez pas voir. Et voilà. Là, vous allez peut-être voir. Vous avez ça aussi sur la couverture, en fait. Mais plus léger quand même. Là, il est tacheté. Mousse-moi, à part ça, il est juste un peu plié ici, corné ici. Mais voilà. Voilà, je me dis que voilà, ça vaut la peine. Du coup, c'est le tome 2, je vais pas vous parler. Pour ceux que j'ai pas bien dit le nom, oh, j'ai mis à mon casque, il est là. Je sais pas si vous voyez, c'est Eastone. Pas comment ça se dit. Voilà. Et j'aime bien parce que c'est comme. C'est écrit assez gros. Voilà. Voilà pour les deux à petit prix. Et il y avait un moment que j'hésitais. Il y a d'autres qui vont arriver normalement. Mais Erin. Je sais jamais son nom. En fait, je suis là qui me tentait absolument. Du coup, je me le suis pris. Il est arrivé samedi. Imprévisible boss. J'ai addictif. Et le nom, j'arrive jamais à le dire. Voilà. Du coup, voilà, j'ai même pas lu la quatrième de couverture. J'entends parler de bien de ce livre. Du coup, voilà. Et je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture pour vous. Ce qui se passe en salle de réunion. C'est monsieur qui m'appelle. Je vais regarder au PC, ce sera plus facile. Ok, merci. En fait, il a laissé ses outils dans ses poches de travail. Et comme j'ai fait la machine aujourd'hui, voilà, il me le dit. L'X est une femme indépendante, battante, et ce n'est pas le genre à reculer devant le premier obstacle. Alors qu'elle-même arrive en retard pour l'entretien d'embauche, elle y va carrément au culot. Enfin, de passer le contrôle à l'accueil, si elle présente comme la copine du patron. Sauf que celui-ci est juste derrière elle, s'amuse par son
aplomb, séduit par son irrévérencieux, et lui accorde une chance. Seul souci, il est beau comme un dieu, sexy joueur et désire de tester toutes les ses limites. Que l'affrontement commence. C'est un roman qui a été l'émotion de ce roman est un son approprié avec un sujet bouleversant sur la toile au fond de découvrir ce livre, mes livres de plaisir. Voilà, en fait, il y a trois personnes qui ont lu ce livre et qui a donné une bonne note à chaque. Voilà. Et c'est dans la collection Addictif. Voilà. Et j'aime beaucoup cette maison d'édition. Je commence beaucoup à adorer. Le seul problème, c'est que je ne vous ai pas montré. Ben, il est là. Dans cette collection Addictif. Moi, vous n'allez peut-être pas voir. C'est là, on voit la petite cornée. J'ai corné mon bouquin. Voilà. Et en plus, ils font une belle couleur. J'adore. Ils vont bien aller dans une bibliothèque. Que j'ai toujours pas de bibliothèque. Voilà. Mais on ne reparlera pas ça pour le moment. Voilà. Du coup, l'objectif de cette semaine, vous avez compris, c'est d'avancer dans celui-là et de le terminer au vendredi. Non, c'est du lundi au vendredi. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Du lundi au lundi. Oh là là, je vais j'attrape faim, c'est pour ça. C'est du lundi au lundi. Du coup, vous l'aurez encore au début du vlog prochain. Enfin, je le terminerai lundi. Et je vous en parlerai mardi, certainement. Voilà. Et ici, je vais essayer de lire mes 50 pages pour prendre celui-là. Le début, c'est celui-là d'abord. Et celui-là, ensuite. Voilà. Du coup, voilà. Pour cette semaine, je vous tiendrai au courant. Et puis, en même temps, pour le moment, je joue à Animal Crossing. Je vous montre. Animal Crossing. Voilà. J'essaie de rattraper mon retard de tous. Mais voilà. Bon, je décore pas trop mon île. Je suis pas trop décoratrice de mon île. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis hier, j'ai un peu lu, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos de Michou. Il a fait l'anniversaire de son pote et j'ai apprécié. De voir cette amitié, c'est comme son frère, c'est un truc, ça fait à peine, enfin ils sont un an qu'ils se connaissent, mais ce lien qu'ils ont entre eux, et c'est magnifique, j'avais envie de pleurer, tellement il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, parce qu'en fait si vous voulez, je vous explique juste la fin, à la fin on lui donne des cadeaux et Michou, pour l'embêter, en fait, il achète le livre de Titeuf. Non, c'est pas Titeuf. Enfin, une BD comme ça, Titeuf ou un truc comme ça. Et le plus gros cadeau qu'il avait, c'était pour une blague au début. Et je sais plus son nom à lui, mais il lui dit non, je veux pas le deuxième cadeau. J'ai assez avec lui, avec ça. Et puis, tout ce que tu m'as fait, c'est magnifique, c'est tout, c'est lui qui a préparé tout avec des personnes pour l'aider bien sûr, mais c'est lui qui a fait le gros du challenge, on va dire, enfin de préparation. Et du coup il veut pas lui donner l'autre cadeau, mais sauf que c'est le nouveau, c'est le dernier MacBook qui venait de sortir, et du coup il lui a donné quand même, il l'a pris. Ça, c'est sûr, hein, on prend toujours les cadeaux. Moi, je le voulais bien. S'il ne voulait pas, je le voulais bien. Et il lui a donné, il a vu le MacBook. Voilà. Et il était tout content. Il allait pleurer. Il a eu des chaussures, plein de choses. Voilà, c'était trop bien. J'ai bien aimé ce petit... N'hésitez pas à aller voir, c'est sur Michou. L'anniversaire et l'autre, c'était... Enfin, vous voyez, ils ont mis, il y a deux, il y a le préparation que Michou fait, et l'autre, son copain, il a le vlog que Michou a préparé en cachette, parce qu'il savait rien du tout, il a été le réveiller toute la journée avec, ils ont été mangés, ils ont fait du karting, voilà, et c'était trop beau, voilà. Et puis ils ont fait une petite soirée, mais sauf qu'ils sont illimités jusqu'à 1h du matin, voilà, mais voilà.
Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait quand même 20 minutes que je vous parle et il faut pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, et sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Justement, à demain. Voilà, là, il est midi, je vais aller manger un petit peu et je vous reprendrai plutôt demain. Bisous, bisous! Bonjour, mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. On est mercredi 9 février. Je vous ai pas pris hier, mardi, parce que j'avais eu un petit souci. Enfin, un petit souci, pas grave, mais voilà. J'ai été au sport. Excusez-moi, je viens de finir de manger et du coup, je fais un petit renvoi. Et en fait, hier, j'ai été au sport au matin. Je fais de la lecture au matin avant de partir. Et quand je suis rentrée, enfin déjà au matin, j'avais une douleur dans le genou. Mais comme vous le savez, j'ai une fissure, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, une fissure dans le genou. Du coup, c'est normal que j'attrape mal des fois. Voilà. Il faut que j'aille en douceur. Et j'ai cru que je n'aurais pas été au... que je n'aurais pas été au sport, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été. Ça me fait du bien de toute façon. Voilà. Et le chirurgien qui m'avait vu m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport. Voilà. Mais là, j'ai eu très 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 mal. Que quand je suis rentrée, j'ai dû mettre ma genre dattelle. C'est un truc en tissu mais avec des barres dedans qui tient le genou plus droit si vous voulez. J'ai dû la mettre toute la reste de l'après-midi et je souffrais le martyr et j'arrivais pas à trouver ma position, comment mettre, plier, détendu, plier ma jambe. Du coup, j'étais pas trop bien et voilà. Du coup, me suis reposée, j'étais dans mon lit, j'ai mis des coussins en dessous de ma jambe, j'ai fait plein de choses pour que le mal s'arrête, voilà. Et avec la journée, ça m'a fait beaucoup de bien, voilà. Mais c'est pas pour ça que je n'ai pas bouquiné, mais c'est pour ça que je ne me suis pas repris parce que j'avais une tête de souffrance, du coup, voilà. Du coup, je vais vous parler d'abord de quoi? Mes lectures ou d'une nouvelle réception? Non, on va aller parler de la nouvelle réception. Du coup, je me suis pris vent. Ce beau bébé, voilà, il est trop beau, j'aime bien. Shiny, shiny. De Vanessa, c'est Hachette. Non, oui, c'est Hachette, je crois. C'est Hachette Eros. C'est Disney Villain. Happy Nouvelle. Je vais pas vous dire si j'essaie de vous mettre là. C'est le nom du livre, voilà. La série. C'est une série, il paraît. Par contre, j'avais de la lumière il y a 2 minutes. Je reviens, je vous mets de la lumière quand même. Voilà, le soleil fut. Voilà, j'avais fermé les stores. Tantôt j'avais le soleil dans la figure. Maintenant il s'en va un petit peu. Du coup je l'ouvre. Voilà pour ce beau bébé. Je viens de l'avoir tout juste. Mais je l'ai ouvert tant que je mangeais. Enfin, je l'ai eu quand j'ai mangé. Et je l'ai ouvert en bas pour mettre dans le bac en bas que j'ai de carton. Du coup, voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle vraiment, je sais juste que la méchante va tomber amoureuse, si j'ai bien compris, déçue par le peuple de la mer qui la rejette. J'arriverai. Ursula devient Vanessa en aventure pour la première fois sur Terre, où elle part à la recherche du pouvoir ultime qui la rendra si puissante que plus jamais personne ne pourra l'ignorer. Mais ce destin la mène jusqu'à Londres. André Basco, je sais pas comment ça se dit, c'est un nom, je suppose. Un simple humain, ouais, c'est ça. Donc elle va tomber amoureuse. Peut-on réellement tout avoir dans la vie, l'amour et le pouvoir? Ou Vanessa sera-t-elle fille? Le choix, bien avant les contes que nous connaissons, découvrir l'histoire de l'amour et de la méchante Disney. Voilà. Ouais, mais si je retire ça, il est encore plus beau. Voilà. Et là, c'était marqué histoire d'amour finit toujours
mal et découvrir l'histoire d'amour des méchants Disney. Et moi, tout ce qui est livre Disney, je veux faire la collection. Du coup, je me dis, je vais me le prendre. Et en plus, les rabats. Regardez ce rabat de malade. Il est trop beau. Il est trop beau. Et il fait 400 pages. Oh, oh purée, non. Je sais pas ce que c'est. Pour moi, comme ça, vous voyez, il a rien. Mais oui, là, on voit. Je n'avais pas vu. J'ai des pages déchirées. Voilà, tout plié. Enfin, c'est pas grave, mais vous n'allez pas voir. C'est déchiré. C'est déchiré. Ça fait chier. Ça a été plié et déchiré. Enfin, soit, c'est pas grave. On va pas faire. Et là aussi, il y a le rabat avec les tentacules. Et le livre est trop beau. Regardez ça. Et je ne sais pas les chapitres s'il y a quelque chose. Bon, il n'y a pas de dessin. Je n'ai pas trouvé. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout en autre chose dans le livre. Voilà, il fait plus de 400 pages. Ouais, 458 pages, le dernier page. Bon, je suppose qu'il y a le prologue et les remerciements de l'autrice, mais j'ai pas regardé. Du coup, voilà pour ces beaux bébés, parce qu'il est quand même fameux, hein, quand vous voyez. Voilà, du coup, je vais vous parler de mes lectures qui sont en cours, parce que j'en ai deux, vous savez, j'en ai deux. Du coup, celui-ci qui est en lien avec Mariette, ma chère amie. Voilà, on est dans notre lecture commune. On est à la troisième partie. Ouais, on est mercredi. Ouais, troisième partie. J'ai avancé la partie du jour. Je suis à la page 138 et il faut que j'arrive à la page 149 si je me dis pas de bêtises. Du coup, il me reste pas grand-chose. Je vais le terminer ici. Ouais, c'est ça. 40... Je vais le terminer ici. Je l'ai lu au matin. Pour le moment, ça va. Je ne vais pas vous en parler trop parce que j'ai pas trop envie, mais j'aime bien. L'histoire est un peu la même au début. Après, ça s'améliore. Il y a des trucs qui se passent. Là, je suis à la deuxième partie. Voilà, deuxième partie du livre. Voilà. Ce sera pour après. Je vais lire la deuxième partie. Là, maintenant, après, je vais bouquiner ça. Bah, normalement, on l'aura fini lundi. À part si dimanche on se sent capable de finir les dernières pages. Je pense que c'est peut-être possible que dimanche on se termine le bouquin. Voilà, je verrai avec elle. Et la deuxième, je suis très 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 en retard, mais j'ai récupéré pas mal mon retard de lundi, je pense. Je ne sais plus quand. On devait arriver au chapitre 10 pour dimanche. Je suis au chapitre 11 et cette semaine on doit être au chapitre 20. Et je suis au chapitre. Que là je suis en plein milieu d'un chapitre. J'ai abandonné 11. Ouais, j'ai lu deux pages du chapitre 11. Voilà. Du coup, je suis en retard. Il est où le 20? Non mais le. Ouais, en fait, ouais, 20, je vais 20. Je vais vous montrer ce qui me manque. On va essayer par les petites. Allez. Où il est? J'ai vu 15. Je suis pas loin. Je suis pas loin, je suis pas loin. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup pour le moment. C'est parce que j'ai les deux en même temps. Heureusement, j'aurais laissé 18. Laisser tomber un des deux parce que voilà, je dois lire ça cette semaine. Voilà, bon, c'est possible, hein, on va arriver quand j'aurai fini cette lecture. Je reprends celle-ci, c'est ça que je fais. Hein. Je mets celle-ci en avant parce que voilà, c'est mon ami et je ne vous ai même pas parlé du nom du livre, mais c'est pas grave. Une youtubeuse de carton. Histoire éternelle de Disney. C'est le troisième tome. C'est le premier pour moi que je lis. Normalement, elle m'avait dit qu'il fallait les lire dans l'ordre. Mais je ne vais pas les lire dans l'ordre. Voilà, parce que c'est le premier que je lis. Et celui-ci, c'est Le Cendre et la Cendre de Jennifer Allman. Allamantrout, j'arriverai. Voilà. J'aime beaucoup aussi. L'histoire est assez.
touchante. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai envie de savoir la suite. J'ai juste demandé au groupe de... Tu crois que c'est dimanche? Enfin, j'ai récupéré beaucoup dimanche. Excusez-moi. C'est tout me fatigue. J'ai demandé au groupe s'il n'y avait pas... Parce qu'il y a le tome 2 qui sort au printemps. On n'a pas de date jusque maintenant, juste qu'on sait qu'il sort au printemps. Et j'ai demandé aux filles, pour ceux qui l'avaient déjà lu dans le groupe, si ça donne envie d'avoir le deuxième tome sous la main. Ils m'ont répondu oui. Du coup, c'est un peu... J'ai pas trop envie d'arriver à la fin. Moi, ouais, ça va aller vite hein, quand même. C'est 41 et en 20, on a encore 30, 40, ouais, 2 semaines. Encore 2 semaines dessus et il sera terminé. Enfin, celui-ci, je savais qu'il ferait le mois. Voilà, celui-ci, ben, on essaie de le terminer pour lundi. Comme ça, je pourrais faire une autre lecture entre. Voilà, du coup, ben, avancer dans mes lectures, ce serait pas mal. Essayer de retrouver mon retard dans celui-là. Continuer ma partie du jour. Voilà. À part ça, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Non. Je suis rentrée. Aujourd'hui, j'étais à la pédicure au matin. Me suis levée plus tôt. J'ai pris ma douche. Je fais tremper mes pieds quand on va à la pédicure. J'ai commencé à lire en entendant que ma mamie vienne me chercher parce que j'étais avec ma mamie. Elle passait avant moi. Mais j'ai attendu. Au début, je voulais lire un livre qui est dans ma palle que je l'ai sur mon téléphone, mais je n'ai pas lu parce qu'on a parlé avec la pédicure, ouais, et ma mamie n'a pas très de conversation, voilà. Du coup, j'ai fait beaucoup la conversation avec eux deux, voilà. Du coup, ça m'a un peu coupé mon élan. Ça aurait été avec ma tante, ça ne serait pas été le même. Voilà. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, voilà. Je suis rentrée, il était midi, j'ai mangé. Là, j'ai regardé un épisode de... Je sais pas, Chicago. C'est... Oh, les docteurs, c'est comment pas Chicago, c'est Fire. Chicago Fire, je crois que c'est un truc comme ça. Je ne sais plus le nom, sur Netflix, que je continue. En mangeant, je regarde la petite série que j'ai, que j'aime bien et que j'ai pas vue. Voilà. Et qui dure pas longtemps, surtout le temps de manger, quoi. Voilà. Et là, je vais me mettre un petit peu et bouquiner ça. Voilà, je sais pas quoi d'autre faire. J'ai aussi mon DP qu'il faut que je termine. Voilà, parce que ça aussi, il faudrait que je le termine pour être tranquille. Il me reste pas grand-chose. Je pense que demain, c'est ce. Enfin, je sais pas, parce que moi, je vais perdre mon retard dans mes livres. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien demain finir de ranger la manne. Je ne sais plus quoi faire. Et peut-être faire un petit peu d'épée. Ou du Wacken, faire un peu d'épée, je sais pas. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Voilà. Mais il faudrait bien que je le termine. Voilà. Du coup, on va bouquiner. Et sur ce, moi je vous reprendrai plus tard dans ce vlog qui paraît si long, mais qui va être court parce que comme je vous ai déjà pas pris hier, voilà. Et le soleil apparaît. Aujourd'hui on a une belle journée, il fait frais, mais on a du soleil. Du coup ça fait très très du bien. Du très très du bien, ça parle pas bien français là. Ouh, je vais me coucher. Ça fait du bien d'avoir du soleil, surtout pour le moral. Voilà, mais j'ai pas envie de faire grand-chose. Et demain, de 9h à 10h30, je vais au sport. Voilà. Faire du cardio. On va faire ça. Du coup, ça fait encore 1h30 de perdu. Le problème, c'est que je me lève tôt pour le moment. J'arrête pas. Et je suis crevée. J'ai envie d'aller dormir. Voilà ce que je dis. Je suis une dormeuse professionnelle, moi. Si je pouvais, je dormirais tout le temps. Et ça, c'est un gros camion qui passe. Je crois que c'est même le tracteur qui vient de passer. Voilà. Et voilà. Et j'espère qu'on arrive bientôt fin des. On arrive presque à la fin des. Oh, du défi avec Mariette. Je sais plus combien de livres qui me restent après celui-ci. Ça, je peux vous le dire en vitesse. Comme ça serait fait.
Alors, il est où le truc de la palle? Ouh, Mayette, t'es où? Le mois de janvier, je pense que je l'ai laissé. Faudrait que je le change de place aussi. Il y a pas un truc à faire. Voilà. Il est là. Il me restera 1, 2, 3, 4, 5. 5 à lire. Et on a déjà lu 1, 2, 3, 4, 5 avec ce. Bah, il nous reste. Ouais, bah, on a la moitié. On a la moitié. On arrive au bout. C'est chouette, ça. Je vais le remettre devant. Ce serait pas mal. Parce qu'au moins, je le perds directement. Voilà. On est pas mal. On arrive à la fin. Si j'en mets deux à chaque fois, bah 5, ça fait un mois. On est au mois de février, mars, avril. Ouais, j'en oublie un. Mars, avril. Avril, mai, on aurait fini. Voilà comment ça se déroule les mois. Voilà. Et après, ben, on pourra passer dans notre lecture qu'on envie. Voilà. On avait fait ça parce qu'en fait, à chaque fois, on a des hésitations pour choisir un bouquin. Mais on va recommencer à faire. Mais non, moi j'ai trop de livres là pour le moment qui me donnent très envie. Il faut que je finisse Un palais des pingouins roses aussi. Quand j'aurai fini celui-là, le gros bébé là, je vais reprendre Un palais des pingouins roses plus une lecture. Du défi avec Mariette, comme ça je lirai un chapitre, parce que là je suis au chapitre 25 je pense, il est juste là, 25, oh. Ouais 25, voilà c'est aussi, ah non c'est Sarah Jimas celui-là, chapitre 25, voilà il me reste pas grand-chose non plus, du coup je pourrais peut-être lire un ou deux chapitres, essayer de me mettre à fond et le terminer, plus des petites lectures entre eux, ce serait pas mal. Voilà. Et après ça, c'est vrai qu'on a. J'ai 365 jours qui me donnent entre deux l'envie de le lire. Parce que j'ai vu beaucoup de problèmes. Enfin, j'ai entendu beaucoup de problèmes dans ce livre. J'espère que ça va aller quand même. Voilà, parce que là, ça va. Si ça va pas, ça va être triste, quoi. Mais on croit, c'est tout. Ça va bien se passer. Et voilà. Sur ce, je vais quand même vous laisser. Ça fait 17 minutes que je parle pour rien. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vais aller continuer ma lecture et on se retrouvera justement demain après le sport. Et croisez les doigts pour moi que je n'ai pas trop mal aux genoux demain. Bisous, bisous, bisous. On se retrouve demain. Bonjour, mes petits, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est le 11 février et je reviens dans ce vlog. Je vous ai pas pris hier. Je vous ai complètement oublié hier. Du coup, je voulais vous parler avant que je regarde ma série de mes lectures. Je fais pas mal de choses pour le moment, voilà. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps. Le sport. Hier, j'étais au sport, puis je suis rentrée, je me suis vite changée, enfin rafraîchie un petit peu, changée et manger un petit bout. J'avais qu'une heure pour me changer. Et je suis repartie avec ma mamie jusque Cora. Je suis rentrée qu'il était presque 3 heures. Du coup, voilà, j'étais un peu lessivée hier. Le sport, 1 heure et demie. Puis la marche avec ma mamie au magasin. C'est quand même un grand magasin, Cora. Je ne sais pas si vous voyez Cora. Du coup, voilà, j'étais lui donner un coup de main. Et du coup, je n'avais pas lu toute la journée. Du coup, quand je suis rentrée, je me suis mis dans l'histoire éternelle. Histoire éternelle de la bête, c'est et si la mère de Belle avant avait maudit la bête, voilà, c'est de chez Disney dans la collection, enfin, chez, oh, je ne sais plus, je perds mes mots, c'est pas grave, Hachette Héros, et voilà, pour le moment, je tiens bien mes parties, vous savez, je suis en lecture commune avec ma chère amie Mariette, on est presque fini. On finit mardi. Mardi, ce sera notre dernier. Voilà, il me reste moins de 30 pages aujourd'hui pour le terminer. Je le disais, mais j'ai eu un coup de pompe. Je me suis endormie dessus. J'ai fait une petite sieste là. Je me suis bouge. Et là, je vais un peu mieux. Du coup, je vais continuer celle-ci. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a plein de choses qui se passent. C'est assez. Il y a des trucs comme dans le dessin animé,
On retrouve tous les personnages qu'on aime beaucoup. L'histoire commence comme elle va sauver son papa. Je vais pas trop vous dire, mais elle va sauver son papa de la bête. Voilà. Et il y a vraiment plein de choses qui se passent. Mais je vous en tiendrai plus approfondi quand je l'aurai terminé. Parce que j'ai vraiment pas trop envie de vous spoiler. Mais l'univers est tellement. Elle est riche. Moi, je trouve que voilà. On retrouve nos amis Ben. Non, pas Ben. Big Bang. Je sais plus ce que je dis. Big Ben. Lumière. Samovar. Madame Samovar. Voilà. Et on va apprendre plein de choses. Il est marqué. Mais si Belle est surtout emprisonnée de la bête. Ouais, enfin, c'est une histoire assez, assez bien. Maintenant, je voudrais savoir ce qui va vraiment se passer. Voilà, l'histoire où le seul état peut changer. Ici, on sait juste pour le moment que c'est la maman de Belle. Elle va apprendre que c'est sa maman qui a maudit la bête, tout le château. Et voilà. Et du coup, elle va essayer de sauver, aider la bête. Enfin, moi, je suis là où elle va un peu sauver la bête. Enfin, comprend à plein de choses. Voilà. Je vais pas trop vous en dire parce que je vais vraiment pas vous spoiler. Mais oh, j'ai une tache. Je sais pas si vous allez voir, j'ai une tache là. Oh, bon, on le voit. Mais comme samedi, ma chère amie Mariette, elle est là. Je penserais peut-être vous prendre. Je pouvais pas conclure le vlog aujourd'hui, mais qu'on de clore demain soir, je pense. Comme ça, je vais lui demander si ça lui intéresse de faire une petite apparition dans ce vlog et dire son point de vue sur cette lecture. Voilà. Parce qu'alors, on n'aura peut-être pas encore lu la partie de samedi, du coup. Enfin, moi non, je l'aurais pas lu. Voilà. Elle non plus, je pense pas. À part si le matin, son chéri se lève plus tard. Voilà, il me reste pas grand-chose pour arriver au petit orange. Voilà. Et il nous en reste 3 après, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Mais maintenant j'ai un problème. Enfin, je ne sais plus. Ouais, non. Non, faut que j'arrive jusque là. Ouais, là c'est samedi, dimanche, lundi, mardi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis blonde, moi, aujourd'hui. Samedi, à partir de samedi, dimanche, lundi, mardi. Voilà. C'est ça. Je suis fatiguée. Je ne sais plus compter. C'est pas grave. Du coup, il me reste pas beaucoup. Je suis à 238 pages. Sur la partie d'aujourd'hui, c'est 260. 263, je pense. Voilà. C'est ça. 267, en fait. Ouais, je dois arrêter à 267. Voilà. Et vous avez des petits chapitres comme j'aurais bien voulu vous montrer. Voilà la partie, par exemple, Gaston. Oh. Oh là, vous avez des petites parties dans le livre qui fait des. Voilà. À plusieurs reprises. Je vais pas tout vous montrer parce que je vais pas tout vous spoiler, mais voilà. Je ne sais pas lire à l'envers. Enfin, vous aurez vu. Voilà. Je vous montre pas tout, mais voilà. Mais ce livre est magnifique. Voilà, c'est le premier que je lis. Et quand vous tournez un petit peu, tantôt ça faisait plus. J'ai l'impression que les yeux de la bête bougent. Franchement, il est assez gros quand même. Il fait 404 pages, si j'ai bien lu. Ouais, mais il est magnifique. C'est le premier que je lis du Twistletail. Que voilà. Je crois que c'est numéro 2 ou 3 dans cette collection. J'aurais dû lire les autres avant, mais voilà. Et pour vous parler d'autre chose, je suis en retard dans celle-ci. Le cendre et la cendre, je dois être la page perpète. Sauf que moi, je suis très loin. Je suis vraiment nulle. Vous voyez, je suis juste ici. Et je vais être déjà plus ou moins à la moitié. Voilà. Et ici, j'aimerais bien finir mes 30 pages. Et quand j'aurai lu mes 30 pages, j'essaie de me remettre dessus aujourd'hui un petit peu. Pas trop parce que je vais me lever tout demain. Enfin, je dirai ce que je sais, voilà. Et essayer d'arriver. Il faut que j'appelle 20 et je suis à la page. Je ne sais pas combien je suis. L'univers est si aussi riche que. Et le bruit que vous avez entendu, c'est ma télé que j'allume parce qu'il va y avoir ma série qui va commencer. J'arrive pas. Enfin, je vais peut-être arriver. Ouais, c'est ça.
Je vais arriver au chapitre 13 et je dois trouver 20. 13 à 20, vous voyez. Ouais. Il me reste. Je sais pas pourquoi je suis arrêtée. Deux pages de la partie 13. Voilà, ça me fait quand même pas mal de chapitres encore à lire. Voilà, mais je vais arriver. On va essayer de se rapprocher le max. Lundi, je vais essayer de ne pas me lever trop tard. Je vais pas faire grand. Enfin, je vais faire quand même, mais j'aurai un peu moins de choses à faire. Je vais essayer de faire dimanche, je ferai un tout petit peu. Parce qu'on va faire la savante un dimanche, nous. Du coup, voilà. Comme c'est lundi, logiquement. Mais j'ai quelques machines à faire. Je ferai bien peut-être les litières de mes chats à la place de faire mardi. Comme ça sera à l'avance. Voilà. Pour essayer de récupérer, parce que mardi je vais au sport, c'est de 10h à 11h30. Et c'est vrai que ça coupe vraiment en plein milieu de la journée. Et c'est... J'aime mieux aller très tôt comme je faisais. Mais le problème c'est que maintenant ils ouvrent plus qu'à 8h30, 8h15, un truc comme ça. C'est 8h ou 8h. Enfin, c'est dans environ 8h. Et voilà, du coup ils ouvrent plus si tôt. Voilà, et du coup je vais avec mon papa et lui il préfère aller vers 10h. Du coup je me lève souvent plus ou moins vers 6h30, 7h. Sur le peu de temps, ben, je fais ce que j'ai à faire, mais voilà. C'est plus compliqué à faire et quand je rentre, ben, je suis toujours assez cassée comme il y avait longtemps que j'avais plus fait de sport. Enfin, j'avais refait du sport il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai été malade avant les fêtes. Ouais, je pense que j'avais été malade, j'avais pas été. Puis il y avait eu le problème avec qu'il fallait le. Il le faut toujours, hein, mais. Oh, le pass sanitaire, voilà. Mais j'avais peur d'aller avec le pass sanitaire, je savais pas comment ça allait. Voilà, maintenant je sais comment ça va. Vous devez arriver, vous scannez votre carte du club et puis on vous montre le papier, il scanne et voilà. Il faut montrer votre carte d'identité aussi. Du coup, voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Du coup, j'avais un peu peur pour ça voilà. Du coup, je vais au sport souvent le mardi, je suis morte. Quand je reviens, souvent je rentre à 11h30 je me mets pour me préparer à manger. La petite vaisselle de la veille, souvent, la petite vaisselle en rentrant ou je la fais avant de partir, ça dépend. Voilà. Et puis je prépare le manger du soir, je pioche les patates et puis je me mets un peu à la lecture. Voilà. Et ce sera le dernier jour mardi en plus. Du coup, ce sera top, je pourrai vous en parler mardi. Dirai un bref sur ce lecture, mais je demanderai à Mariette si ça lui dit de faire une petite apparition de ce bouquin, d'en parler si elle veut bien. Voilà, pour que vous avez les deux avis. Enfin, moi j'ai pas encore vraiment d'avis. Voilà, j'aime bien, mais il faudrait que je lise les autres pour avoir plus de. Voilà, c'est pas encore un dessin animé que j'aime beaucoup, La Bête et la Belle. Je sais pas pourquoi, mais c'est. Pourtant, c'est une belle histoire, hein, mais voilà. C'est pas encore un dessin animé qui m'attire le plus. Voilà. C'est peut-être ça. Voilà. Et puis, j'aime bien retrouver. J'aime mieux plus les personnages comme Lumière, comme Big Ben, Samovar, que eux deux, en fait. Voilà. C'est plutôt ça. Voilà. Et du coup, quand on parle d'eux, ben, j'aime bien, mais voilà. Je vais. Débriefer avec elle samedi et je pense que ça va peut-être faire plus de lumière dans mon petit cerveau. Voilà. Je vous tiens au courant, voir si elle veut bien ou pas. Si elle ne veut pas, ben, je vous reprendrai au soir et je vous dirai que elle ne préférait pas dire sur ce livre. C'est son point de vue, elle a raison. Elle fera comme elle veut, je ne vais pas l'imposer, c'est sûr. Je demanderai et si elle veut, ben, vous me retrouverez plus tôt. Voilà, et sur ce, voilà. Celui-là, l'univers, c'est la. Enfin, l'autre, je l'ai commencé à moitié, mais Jennifer à la main de Trout, elle a des idées dans la tête, hein, franchement, et ce livre est magnifique.
Et je suis impatiente de le terminer et de faire ma chronique dessus. Franchement, il est. Voilà. Il est pratique aussi pour lire. Il tient bien avec le. Je sais plus, c'est relié, je pense qu'ils disent. Moi, je dis le toc-toc. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce format de livre parce que ceux-là, je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas le voir. Mais là, il est corné. Je l'ai plié en fait. Et du coup, quand vous mettez dans la bibliothèque, ça donne plus trop bien que cela. Bon, les cornes, pas du tout. J'ai juste retiré la jaquette qui est là sur mon bureau pour pas abîmer la jaquette avec le tenir. Mais voilà. Et je sais pas si on va voir, mais il y a des défauts dedans. Mais voilà. Même les pages, ça fait un peu bizarre. Mais on voit pas trop à la caméra. Voilà. Mais je vais essayer de m'approcher au plus possible parce que ça me fait quand même pas mal de pages à lire. Oh, j'arrive au 22, je crois. Ouais, 23, 22. J'essaie de trouver le 20 pour vous montrer ce que ça fait. 21. Mais en fait, c'était jusqu'au 21 où je devais être. Voilà. J'ai encore. J'essaie de me. Tout ça à lire. Voilà. Encore deux post. Ouais, quatre post-it. Enfin, je sais qu'il y a une. Voilà, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de cette lecture. Je vais mettre ma télé parce qu'il y a ma série qui va commencer, mais toujours pas commencer. Je coupe le son. Voilà, comme ça, je me ferai pas traquer. Voilà. Et je pense que quand j'aurai lu un peu tout ça, l'appel de. Enfin, le défi avec Marielle, je pense que je vais faire une petite pause manga, BD. Je vais peut-être faire un petit 2-3 jours pour finir tous mes mangas parce que je sais pas, non vous, je vais pas vous montrer mais parce que là j'ai du bordel, il faut que je range, je n'ai pas le courage pour le moment. Voilà, faire, j'ai un gros pal de mangas, là il m'en reste deux. J'en ai encore pas mal à lire, du coup je voudrais bien finir, enfin les avancer parce que il y en a c'est des séries, du coup voilà. Et voilà. Bah, je sais pas si je vous reprendrai peut-être demain un petit peu pour vous montrer le paysage. Parce que demain je vais en France. Mais moi je serai occupée. Je vous prendrai, pense pas, prendre le matin. Mais peut-être sur le trajet. Et monsieur va faire certainement 2-3 courses. Voilà. Et puis revenir et on retrouve notre chère petite Mariette. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous reprends. Certainement demain et je viendrai conclure le vlog. J'aurai avancé dans la partie d'aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais lire en entendant que c'est toujours pas ma série. Du coup, voilà, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour la fin de ce vlog. Bisous, bisous, bisous.
Bonjour les télésales, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est dimanche 13 février. 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 Ouais, c'est vrai. Je vous ai pas repris hier. J'avais dit que. Enfin, je vous avais parlé que j'allais demander à Mariette de parler de la lecture. Mais j'ai complètement zappé. Parce que déjà, elle m'a un peu feinté. Voilà. Je vous explique tout ça. Voilà. Le matin, j'ai été en France, on a fait quelques courses et j'avais d'autres choses à faire. Voilà. Et après-midi, elle est venue vers 3 h. Voilà. Et elle m'a sonné avant en me disant qu'il fallait qu'elle fasse son plein, mais que la pompe près de chez eux n'allait pas. Et du coup, elle m'a demandé s'il y avait une pompe près de chez moi. Et je lui dis, ben oui, près de Pacifique. Voilà. Elle me dit, d'accord. Et du coup, moi, je me suis dit, ben, je vais monter jusque là. Ça va me faire du sport à moi. Je vais. Ça me faire du bien. Et je redescendrai avec eux en voiture, quoi. Voilà. Mais en fait, je me suis fait avoir. Parce qu'elle a trouvé une deuxième pompe près de chez eux. Et du coup, ben, j'ai dû monter et redescendre à patte. Voilà. Ça m'a fait du bien. Un peu. Je râlais un petit peu parce que voilà, je voulais refaire une surprise, je l'ai ratée. Mais à part ça, ça m'a fait du bien, j'étais bien fatiguée. Et du coup, il était déjà chez moi quand je suis revenue parce qu'il me faut quand même un quart d'heure, 20 minutes pour descendre. Entre un quart d'heure et 20 minutes. Du coup, voilà. Et on a monté, redescendu. Toute seule, voilà, comme une malheureuse. Voilà. Et ce que j'allais dire d'autre. Vous avez peut-être entendu monsieur, mais il appelle ses copains. Voilà. Et là, on est, comme on vous dit, dimanche. On a passé. Je suis toujours en pyjama. Voilà. Je vais me changer après, je pense. Prendre une petite douche. Voilà. Mais là, j'ai fait la lecture. J'étais en retard. Je n'avais pas lu la partie de samedi. Il me restait une page et demie de vendredi. Du coup, j'ai lu la partie. Enfin, la page et demie de vendredi. J'ai pu lire la partie de samedi et j'ai lu la partie de dimanche. Voilà, il me reste plus que les deux parties qui nous restent. Voilà. Du coup, voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup. Enfin, beaucoup. J'aime bien, mais voilà, je pense pas que ce sera un coup de cœur pour moi. Mais c'est une bonne lecture. Voilà. Mais je suis très impatiente de savoir ce qui va se passer aussi. Voilà. Et parce qu'en fait ici, c'est la mère de Belle qui a maudit. La bête, et du coup, on va suivre Belle comment elle va faire tout ça. Et du coup, voilà, on suit tout le monde, tous les personnages qu'on connaît déjà, comme Big Ben, je ne sais plus, Samovar, la tasse là, je sais plus son Zip. Voilà, ça me revient, faut le temps. Voilà, quand je suis dans le livre, ça me vient, mais voilà. Et du coup, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. J'aime beaucoup, enfin beaucoup, j'aime bien. On va dire ça comme ça. Je vous conseille de lire si vous voulez. Voilà, mais j'aime bien l'effet des yeux que ça fait. Voilà. Le seul truc que je suis un peu fâchée, c'est que j'abîme le dos de ce livre. Voilà, voilà, je suis impatiente de le terminer. Voilà. Et moi, je venais parce que je devais conclure le vlog hier, mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, je vais le conclure, je pense, aujourd'hui. Comme ça, voilà. Peut-être tantôt. Peut-être que vous aurez pas moi en fin de vidéo. Vous aurez peut-être. Là, on vient de commander les pizzas. On va manger pizza aujourd'hui. Et soirée pizza film. Voilà. Du coup voilà, et je vais peut-être faire un petit passage où je vous montrerai les deux pizzas. Et voilà, et après je couperai le vlog, je vous mettrai un petit mot de fin, mais voilà. Ce sera que ça, je pense, voilà. Parce que, voilà, mais vous savez que la fin de ce vlog arrive. Voilà. Et je vous reprendrai peut-être après, je ne sais pas, ou demain. Ouais, peut-être demain, ce sera mieux lundi. J'ai envie de continuer. Voilà. Voilà, mais je ne peux pas, il faut que j'attende demain. Voilà, mais là je vais attendre, la pizza va arriver dans une demi-heure. Bien, du coup, plus ou moins dans une demi-heure, vous aurez les petites, une petite vidéo de pizza. Voilà, moi j'ai pris une 4 fromages, sauf que je retire toujours le gorgonzola parce que je n'aime pas
fromage bleu là. J'aime pas du tout ce fromage là. Mais ça sera avec du chèvre à la place. Ça c'est mieux. Double portion de chèvre. Voilà. Et monsieur, je ne sais pas, c'est une 4 saisons, un truc comme. Enfin, je crois que c'est un truc de 4 saisons. Je sais bien qu'il y a beaucoup. Il y a des champignons dedans. Un truc comme ça, c'est un genre de 4 saisons. Voilà. Et en plus, on commande les pizzas, ils sont plus là. Du coup, on va commander la première fois, je pense, là-bas. Donc, on verra ce que ça donne aussi. Parce que d'habitude, on commandait chez Carolo Pizza, mais ils ont repris leur retraite. Je viens de voir sur internet, du coup, voilà, on ne sait pas commander chez eux. Il y avait avant Space Pizza aussi en bas de chez moi, où c'était très très bon. Les pizzas faisaient 33 cm. Là aussi ils ont fermé, je ne sais pas pourquoi. On n'a pas, eux, on n'a pas, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Du coup, les deux places où on aimait beaucoup sont fermées. Du coup, il faut retrouver une autre pizzeria et ça, c'est embêtant. Voilà. Et voilà. Si vous connaissez une qui sont dans la région de Charleroi, dites-moi en commentaire, ça me plairait bien. Parce que voilà. Parce que Pizza Hut, j'aime bien manger, mais quand je vais chez eux. Pas à commander. Il paraît que quand on commente, elles sont pas terribles. Je sais pas pourquoi, mais quand on les commente, elles sont moins bonnes. Ouais, mais du coup, je préfère. Voilà. Puis j'ai une friterie aussi qui fait les pizzas, mais elles sont petites. Du coup, il faudrait bien en prendre 4 à chaque fois. Et voilà, ça revient un peu cher parce que c'est 13. Il commence de 13 à. Je crois que c'est 13 à 20 euros la pizza. Ça dépend ce que vous prenez dessus. Du coup, voilà, je vais pas faire 4 pizzas. Ça va me revenir un peu cher, quoi. Voilà, que ici, pour une trentaine d'euros, on a suffi, quoi. Voilà. Du coup, voilà. Mariette, si tu regardes ce vlog, j'ai trop envie de continuer. La bête. Voilà. J'ai envie de me poser la question si on continue un peu. Voilà. Je vais peut-être lui poser la question. Je lui envoie un message pour voir si je peux, on peut, pour elle, si elle veut qu'on continue ou pas. Ça me tendrait bien. Du coup, je vais vous laisser et je vous laisserai avec les pizzas et après, ça sera bye bye. Et comme vous ne m'aurez plus, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. C'est gratuit et ça me fait plaisir et je vous réponds avec. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Dites-moi, on ne sait jamais les pizzas. Un petit pouce. Et vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et comme ça, voilà. Et si vous mettez la petite cloche, à chaque fois que je mettrai une vidéo, vous serez alerté. Voilà, comme ça, vous savez quand je la posterai une vidéo. Pour ce, je vous laisse. Je vous trouverai pour un prochain vlog et je vous laisserai avec mes pizzas. Bye bye. Enfin, si j'oublie pas. Bye bye. Voilà, les pizzas sont arrivées. Du coup, voilà la mienne. On va se régaler. Ben, elles sont déjà coupées. On va se régaler. Je vous montre celle de monsieur. On a été chez Domino. Ouais, c'est Domino's. Voilà. Et celle de monsieur, vous voyez, celle-là et celle-là, quelle différence. Voilà. Du coup, voilà. C'est une triple celle. Si j'essaie d'ouvrir. Ah, il y a un rabat. Voilà. Et voilà celle de monsieur. Elle a l'air très bonne. Voilà. Voilà. Pour ça, je vous laisse et j'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous fais des gros bisous.